Planète et exoplanète, quelles sont les différences? Planète et exoplanète sont deux termes utilisés pour désigner des objets célestes, mais ils se distinguent par leurs caractéristiques et leur position dans l'univers. Initialement, une planète est définie comme un corps céleste qui gravite autour d'une étoile, généralement de grandes structures sphériques qui ont suffisamment de masse pour maintenir une forme stable grâce à la gravité. Les planètes peuvent être composées de roches, de gaz ou d'une combinaison des deux. Dans notre propre système solaire, il existe 8 planètes connues, notamment Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Quant à l'exoplanète, aussi connue sous le nom de planète extrasolaire, c'est une planète située en dehors de notre système solaire, c'est-à-dire qu'elle orbite autour d'une étoile autre que le Soleil. Ces exoplanètes ont été envisagées dès le 16e siècle, mais la découverte de la première exoplanète confirmée n'a eu lieu qu'en 1992. Depuis lors, les progrès dans les techniques d'observation astronomique ont permis de détecter des milliers d'autres. Il convient de noter que ces planètes extrasolaires peuvent présenter une grande variété de tailles, d'orbites et d'environnements différents.